téléspectateurs et téléspectatrices, des nouvelles des disparus du collège. Au fil de l'enquête, l'inspecteur Camille Bock découvre que le professeur M. Sirède n'était pas celui qui prétendait être. Effectivement, cet homme serait le fondateur de la secte Les Nouveaux Jours. Ses complices restent encore inconnus. Cependant, de forts soupçons laissent planer le doute quant à l'un des élèves rescapés du kidnapping. L'inspecteur Camille Bock réussira-t-il à sauver les enfants à temps? Suivez nos enquêteurs terrain en cliquant sur ce lien afin de connaître le dénouement de cette sombre aventure. En attendant, voici quelques images en exclu. L'heure est grave. L'inspecteur Camille Bock a trouvé des indices compromettants concernant un professeur du collège. Mais l'un des élèves s'avère également complice. Les preuves s'accumulent, les heures s'égrènent. L'inspecteur doit redoubler de courage et d'ingéniosité pour démasquer le coupable. La fin de cette histoire pourrait bien vous surprendre. Pour lire le dernier épisode et connaître le coupable, rendez-vous sur le site des Fabulations, rubrique Atelier en milieu scolaire.